Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc dans Lecture mensuelle, nouvel épisode, je crois que c'est le quatrième. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des lectures que j'ai eues en décembre 2022. Et là, pour le coup, un peu comme en novembre où j'avais eu du coup des petites lectures et donc une grande lecture que j'avais fait en revenant des États-Unis. Ici, oui, du coup, je n'ai lu qu'un seul livre. C'est en rapport plus ou moins avec les cours, mais je l'ai lu aussi de manière plus personnelle. J'ai lu seulement Mes monstres sacrés de Mylène de Mongeau. Et je l'ai commencé le 2 décembre 2022. Pourquoi ce jour précis? Parce que c'est le jour où on a appris qu'elle était décédée. Et que ça reste une personne que j'ai connue et où, du coup, ça m'a. Elle m'avait pas mal aidé pour des perceptions de comment écrire, etc. Et du coup, j'ai voulu lire l'un des livres qu'elle m'avait donné il y a de nombreuses années. Pourquoi pas les deux? Tout bonnement parce que justement je n'avais pas le temps. Et donc pour ce livre, même si du coup je trouve que il est bien, je reconnais même l'écriture de Mylène de Mongeau. Mais la couverture n'est absolument pas vendeur selon moi déjà. Et le contenu, il reste basique, on va dire. C'est très intéressant, je trouve que c'est intéressant, hein, mais c'est un livre très très basique, disons-le, sans vouloir être méchant, et je ne me le permettrai pas. Pas parce qu'elle est morte, hein. Mais voilà, j'ai juste lu ce livre-là, parce que oui, pendant ces mois où j'avais cours, à part quelques lectures et où ça a été plus facile du coup à partir du mois prochain pour certaines choses, parce que oui, moi je peux prendre mes livres dans le non, avec un cartable, mais au bout d'un moment ça fait lourd. C'est pour ça que j'aurais eu une solution à partir de janvier et que je vais vous partager tout cela. Mais du coup, ça sera seulement à partir de la vidéo de demain. Je vous retrouve donc oui demain pour la suite avec un petit cliffhanger sur qu'est-ce qui m'a permis tout ça. Je vous remercie du coup d'avoir regardé ce court extrait ou depuis le début. Oui, cette vidéo était assez courte, mais vous allez voir, ça ne sera pas la plus courte. Et moi, je vous dis quand même au revoir.